Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Je suis en état, moi. Allô, capitaine ? Ah, voilà, vous voyez, merde, ça va, vous allez bien ? Oui, ça va mieux, mais ça c'était difficile. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je sais pas, j'ai rien compris, c'était surnaturel. J'ai l'impression que le docteur Maison, il a été touché par la grâce de Dieu, il m'a comme ressuscité, en fait. Ah ouais, ok, d'accord, je comprends, vous êtes où ? Bah, je suis allé à l'église, justement, mais y a personne. Ah bah si, j'ai le prêtre avec moi, j'ai mon père avec moi. Ah... Ok ? Oui. Je vous l'amène, comme ça vous pourrez parler, je vous laisse entre vous, ok ? Très bien. A tout de suite. Merci beaucoup. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? Pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Non. Quoique... Non. Je pourrais demander le docteur Maison en mariage, peut-être. Qu'est-ce qu'il vient de me faire, mais c'est surnaturel. Allô ? Ok. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Oh là là. Quand je raconterai ça à Fabien, il voudra pas me croire. Faut que je parle au prêtre, mais faut surtout que je reprenne le business. Oh là là. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit de faire tout ce que je veux ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah. Allez, voilà. Mon père ! Mon père, vous voilà. Bonsoir, Donatien. Bonsoir, mon père. Comment allez-vous ? Écoutez, il va falloir que je vous raconte ce qui vient de m'arriver. Eh ben, écoutez, je suis tout à fait présent pour pouvoir écouter ce que vous voulez. Alors, il y a un petit peu d'auteur sous plafond. Si vous voulez, on peut se mettre dans le confessionnal derrière le pupitre. Où est-ce que c'est ? C'est là-bas ? Juste là, suivez-moi. Ok.
On peut rentrer? Oui, vous pouvez venir regarder avec la hauteur sous plafond, etc. Ah, oui. Ça fait un petit peu moins, c'est beaucoup plus agréable. Ah, effectivement, c'est vrai que c'est plus... Prenez place, alors c'est un petit peu modeste, largement oui, bien plus sûr. Modeste que chez vous, je me permets, mais... Oui, bien sûr. Pour pouvoir vous écouter et vous confesser, bah, c'est l'endroit parfait. Évidemment. Oh, incroyable. Vous avez vu, vous possédez la même aptitude. Mais oui, mais là, j'ai l'impression... Comment vous expliquer? J'étais à l'héliport au sud de l'aéroport et... D'accord. Je me suis fait tabasser par une brute, sans aucune raison. Oh. Et en fait, je suis tombé dans le coma et j'ai cru que j'étais mort. Et en fait, le... C'est comme si je m'étais télétransporté dans la ville. Et le docteur Maison, je ne vois pas si vous voyez de qui il s'agit. Oui, j'ai déjà conversé avec lui. Le docteur Maison, il m'a fait... Pas comme d'habitude. D'habitude, il me fait, excusez-moi le terme, mais un massage des couilles. Un langage un petit peu grivois, mais... Un massage testiculaire, comme il l'appelle. D'accord. Et là, il n'a pas fait ça, mais en fait, mon corps avait complètement disparu et il m'a matérialisé. En fait, c'était comme si je n'étais plus qu'un esprit. Et il a fait matérialiser mon corps autour de mon esprit et je suis là à vous parler maintenant, une heure plus tard, alors que j'étais mort. Et que s'est-il passé, mon père? Bah écoutez, c'est ce qu'on appelle également le prodige, le miracle de Dieu, le miracle de notre créateur qui nous a fait développer la médecine, mais également la foi. C'est ce qui vous permet à l'heure actuelle d'être assis devant moi, un petit peu en biais, comme si vous lévitiez. Mais oui, vous êtes c'est incroyable. En mesure de vous exprimer, vous avez l'air même en bonne santé, vous débordez de vie, mon fils. Ah oui, je n'ai jamais été aussi en forme. Mais ça me fait extrêmement plaisir de vous entendre. Enfin, est-ce que vous voulez qu'on converse à un sujet en particulier? Écoutez, je vais... Quitte à ce que je sois là, je vais vous confesser quelque chose. Allez-y. Non, je n'ai jamais... C'est faux, j'ai déjà été plus en forme que ça. Juste avant de tomber dans le coma, je dois vous admettre que j'étais sous l'emprise de cocaïne. Ah... Vous savez que c'est un ravage un petit peu chez... Mais je sais très bien, en fait. J'ai voulu essayer car un ami partenaire commercial me l'a fait goûter. Mais c'était vraiment terrible. Bah, écoutez, Donatien, je ne suis pas ici pour juger les... Bien sûr, seul Dieu est là pour juger, bien sûr. Exactement, et même au-delà de ça, vous vous êtes confessé, c'est-à-dire c'est le premier pas vers le pardon, c'est le premier pas vers une nouvelle vie qui sera, j'espère pour vous, beaucoup plus saine. Mais ma vie a toujours été très saine, mais c'est vrai que je ne prendrai probablement plus de cocaïne, oui. Je peux me permettre de vous poser une question? Bien sûr, mon père. Est-ce que vous possédez encore de la rancœur envers la personne qui vous aurait frappé? Non. Non, mais je n'ai jamais compris la raison pourquoi il a fait ça. Je peux comprendre, et je serais très content qu'on puisse retrouver cette personne pour peut-être le comprendre, mais bien sûr. Je suis absolument impressionné parce que vous n'avez pas de rancœur, alors que l'être humain normal aurait de la rancœur envers une personne qui lui aurait fait du mal. Écoutez, mais vous avez l'air d'avoir une âme qui va un peu au-delà de ça. Et bien c'est sûr, bien sûr. Très important de ne pas garder de rancœur. Écoutez, c'est parfait alors, c'est parfait. Non, réellement, Donatien, pour être honnête avec vous, je pensais que vous étiez un petit peu quelqu'un d'ostentatoire, voire peut-être même, et sans vouloir vous enfoncer, cupide, mais en réalité, vous avez très peu. D'être une grande personne. Bah, merci beaucoup. Écoutez, si vous pensez ça... J'espère que notre collaboration continuera avec le temps, quoi. Et ben, personnellement, je l'espère également. Je verrai, voilà. Comment vos fidèles ont-ils trouvé le vin? Eh ben, je n'ai pas encore eu l'occasion de leur donner, mais j'ai pris mes bouteilles, je les ai mis, dans le coffre là où je suis assis, et j'ai hâte à la prochaine messe de pouvoir leur donner. Et selon les deniers, le budget dont je disposerai, parce que comme je vous ai dit, l'Église vit bien sûr. Le don de ses fidèles, je serais ravi de pouvoir continuer avec vous, même si je sais que vos prix sont un petit peu élevés. Après, bon, vous avez. On peut les baisser, bien sûr, pour vous, bien sûr. Hein. J'ai vécu tout de même, j'estime être un miraculé. Tenez, tant que vous y êtes. Dites-moi. Est-ce que vous pourriez peut-être bénir mon établissement? Ben, c'est tout à fait possible, monsieur Donatien. Que faut-il faire pour ça? Alors écoutez, moi, je... Alors, venez, suivez-moi. J'arrive. Oui. Venez devant moi, monsieur Donatien. Je suis là. Oui. Je vais vous demander votre parole et votre plus grande foi. Bien sûr, je vous la donne. Très bien. Répétez après moi. Je promets. Je promets.
Que mon établissement ne se livrera jamais à des activités illégales ou immorales. C'est la formule nécessaire pour que je puisse apporter la bénédiction de Dieu. Je ne peux pas apporter de la bénédiction de Dieu envers une activité illégale ou immorale, vous comprenez ? Bien sûr. Est-ce que ça vous dérangerait si je revenais après en avoir parlé à mon collègue Fabien Torres ? Il n'y a pas de problème, vous pouvez même venir avec lui. Pour bien sûr, si vous voulez. Bien sûr. Eh bien écoutez, Donatien, je suis ravi de pouvoir bénir votre business comme bien sûr, bien sûr. Et vous pouvez passer quand vous voulez pour me parler, converser avec moi. Est-ce que vous avez mon contact de avec grand plaisir, bien sûr. Eh bien écoutez, vous êtes sincèrement une grande personne, monsieur. Mais vous de même, mon père, bien sûr. Eh bien écoutez, l'église sera toujours ouverte pour des âmes comme la vôtre. Merci beaucoup. Je vais y aller maintenant. Et pareil pour mon établissement, toujours ouvert pour des hommes comme vous, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Allez. Moi, je sais ce qu'il me faut. Là, je vais devoir appeler Driss. Oh non, pas Driss. Personne ne répond. Plus personne. Personne dans cette ville, c'est pas possible! On est les seuls à faire du business sérieusement, j'ai l'impression! Bon, va falloir que je retourne. Faut que j'aille récupérer mon hélicoptère, moi, dans tout. Oh non, mais c'est pas vrai! Oui! Oui, dites-moi. Capitaine, oui! Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec cette voiture? C'est à vous? C'est la voiture que m'a donnée. Que m'a prêté le docteur. Maison. Après m'avoir réanimé. Ok, venez alors, montez. Est-ce qu'il y a un problème ici ? Non, il n'y a pas de problème. Vous avez un super-héros ? Oh non, merci. Oh non, merci, j'ai déjà entendu parler de vous, vous m'avez volé mes employés, donc... Je suis Mysterion, j'ai rien volé, monsieur. Vos stagiaires sont des incapables. Bah ça, j'en ai bien l'impression. Oh oui, monsieur. Vive la justice. Oh oui. Et c'est moi que vous arrêtez, pas cet énergumène, donc, hein. Alors, on l'a déjà arrêté plein de fois, vous inquiétez pas. Et du coup, pourquoi je dois vous suivre, mon cher capitaine ? Vous voulez que je vous amène quelque part, peut-être ? Ah bah écoutez, moi je devais rentrer dans mes vignes, quoi. Ok, bah je vous amène. Oh bah écoutez, vous êtes fort aimable. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous me racontez, cette histoire de... Écoutez, je me suis fait tabasser sans aucune raison. Je suis quand même Donatien de Montazac, une des personnes les plus appréciées de cette ville. Par qui ? Par quelqu'un que je ne connaissais pas. À l'héliport, au sud de l'aéroport. Ok. Je suis tombé dans le coma, j'avais l'impression que cette personne continuait à me frapper alors que j'étais dans le coma. Ok. Et à ce moment-là, mon corps a complètement disparu, seule mon âme est restée matérielle. Et le docteur Maison a pratiqué un miracle, il a matérialisé mon corps autour de mon âme. Du coup, je suis allé en parler au prêtre, comme vous pouvez vous en douter. Ok. Non mais je comprends rien, bah, c'est ce qui est logique. Ah, bien sûr. Et vous alors, pas trop dur ? Bon, non, ça va, on a eu 6 flicas, 5 supérettes, 5 kidnappings otages... Oh là là, mais quelle histoire ! Mais ça, pour vous, c'est une journée normale ! Oh, mais encore, elle est... Oh, je vous plains, monsieur. Des gens à sauver, non, après, c'est que mon travail, je fais, hein. C'est rien du tout, hein. Et moi de même, hein, bien sûr, évidemment. Vous, ça va être dur de piétiner le vin pour faire du... Enfin, les raisins pour faire du... Ah non, on ne le piétine pas, on utilise une technologie bien plus avancée que ça, bien sûr, hein, ici... Quoi on utilise des machines, évidemment, des machines, on ne fait plus ça à la main. Ça, c'était de mon concurrent, c'était Monsieur Guimonier à l'époque où il faisait du vin, qui faisait comme ça. Hein. Ça ne m'étonne pas que ça ait fait faillite, hein, d'ailleurs. Ah ouais ? Ah, ok. Oui. Guimonier qui est dans vos rangs maintenant, j'ai cru comprendre. Tout à fait, oui. Ah oui, oui. Pas mauvais du tout. Ah oui, oui. Ouais, je n'en doute pas un seul instant. Hein. D'ailleurs, sous votre conseil, j'ai licencié les croûtes. Ah ouais ? Non, pas pourquoi les licencier ?
Mais parce que c'était des gens qui me faisaient perdre beaucoup d'argent et qui... Et qui faisaient... Ils m'ont fait perdre des camions. À un moment, Antoine Croûte a fait couler un de mes camions dans une rivière. Oh, yo. Mais après... Ils étaient intenables. Ils ne rapportaient aucun argent à la boîte. Ils m'en faisaient perdre. Rien du tout. Ah ouais ? Rien du tout. Terrible. Oui, là, je comprends, oui. Ils sont, mais... impayables, quoi, ces deux-là. Vous leur avez pas laissé une deuxième chance ? Mais je leur ai laissé, mais je ne sais pas combien de chances. Ouais, je leur ai laissé, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, capitaine, hein, faut bien vous dire. Il y a combien de personnes qui bossent chez vous, finalement ? Bah, normalement, il y a Roy Marx, mais il ne vient jamais. Ah, j'ai vu, il est en train de faire un truc de... Il fait du rap, maintenant, voilà, il s'est lancé dans le rap, quoi. Et il a géré, enfin, il a pas géré, il a juste commenté la course qu'on a gagnée. Oui, Monsieur Monet m'en a parlé, effectivement. Oui. Johnny et Gontran m'en ont parlé. Son prénom, c'est quoi ? Johnny Monet. Oui, je vous entends. Oui. Oh, pardon. Vous êtes super au téléphone. Con, oui, c'est ça. Ah bon, bah, il faut l'attraper, alors. Ok, bah, juste après que bon je dépose le mont Targi, là, on se mettra à trois, ok, avec le sergent. À tout de suite. Excusez-moi, j'ai parlé pendant votre coup de fil, hein. Non, mais pas si vous avez le droit, hein. C'est pas oui, plus, c'est la radio. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, bien sûr, évidemment. Oui, donc dites-moi. Non, mais voilà, en gros, j'ai vraiment laissé beaucoup de chance aux croûtes et au final, ça s'est pas avéré payant, quoi. Moi, j'y ai cru, malgré les avertissements de l'hôpital, les avertissements de la police, tout le monde me disait, mais il faut pas traîner avec eux. Au final, moi, Donatien de Montazac, j'ai le cœur sur la main, quoi. Vous me connaissez, de toute façon. Oui, bah vous l'avez viré une heure après. C'est... Mais pas du tout. Alors, vraiment, c'est sur plusieurs jours, ça, je vous l'assure, capitaine, hein. Plusieurs jours ? Ah mais vraiment, je les ai gardés plusieurs jours. Vous avez recruté aujourd'hui, non ? Comment ? Vous les avez pas recrutés aujourd'hui ? Non, je les avais pas recrutés aujourd'hui. Je les avais recrutés il y a deux jours, mon capitaine. Et il y a deux jours, ils étaient médecins. Ah mais à partir du moment, je vous promets, ils sont venus dans mon établissement avec une ambulance, probablement volée de l'hôpital, il y a deux jours, et ils m'ont dit, on ne travaille plus à l'hôpital. Est-ce qu'on peut travailler pour vous ? Alors moi j'ai beaucoup hésité, mais avec Fabien, on s'est dit qu'on allait leur laisser une chance. Du coup, il y a deux jours, on les a employés. Ah oui, je comprends mieux. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a que Fabien qui travaille, quoi. Ah, excusez-moi, mais celui qui rapporte l'argent à la maison, c'est plutôt moi. Hein. Fabien fait disparaître les camions à l'heure actuelle, il faudra qu'on ait une petite discussion quand il reviendra. Hein. Ah, c'est quand même grâce à lui que vous avez la façade écrite bien, parce que sinon c'était écrit autre chose. Hein. Alors, c'est vrai que Castello Dantello, c'était la boîte d'avant, avant que je rachète cet établissement, hein, pas Fabien, bien sûr. Mais effectivement, oui. Non mais Fabien, c'est quelqu'un de très bien, hein, bien sûr. Hein. C'est dommage parce que Fabien n'en dit que des bons sur vous alors. Ah mais moi je trouve que Fabien est quelqu'un de très bien, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez là hein. Oui. Ah oui, Montazac et Torres, hein, bien sûr. Et c'était pas écrit. Bon, vous savez ce qu'il avait fait, Fabien? Il a appelé le FBI. Bon. Il a appelé le FBI? Oui, pour ça. Oui. J'ai eu des soucis avec le FBI, j'ai dû l'attraper. Il a appelé le FBI pour peindre notre façade. On vous a pas raconté. Un peu d'accord. Donc oui, ça bah, c'est. J'ai eu un souci. J'ai eu ça avec FBI. Ils m'ont appelé. Je l'ai vu menotté dans les bureaux du FBI. J'ai dû aller le chercher, le monsieur Fabien. Là. Il a été menotté au FBI ? Eh oui, exactement. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il avait fait ? Et parce qu'il a appelé le FBI pour un putain de façade. Mais je m'excuse pour lui, quoi. Ah oui, il aurait dû payer 1 million. Quoi ? Mais il a payé combien ? Bah, finalement, je me suis arrangé. Il faut pas le dire au FBI. Il a payé 100 000, finalement. Il a payé 100 000 ? Au lieu d'un million, oui. Voilà. Pas avec l'argent de la boîte. Non, pas avec son argent, mais j'espère que vous allez payer la moitié quand même. Bien sûr. Parce que bon, finalement, c'était... Moi, j'aurais jamais appelé le FBI, mais bon, je pense que Fabien n'a pas spécialement envie de... Effectivement, oh là là, d'accord, ok. Et pour vous dire, vous deviez payer 1 million la boîte, hein. J'entends bien, capitaine. Et finalement, j'ai mis 100 000 en disant rien à FBI, qui préférait 1 million. Oh là là, mais quelle histoire. Il a payé 100 000, mais quel idiot, tout ça pour repeindre la façade, quoi. Bon, très bien. Bon, ouais. Écoutez, tout le monde n'est pas doté du cerveau d'un homme Montazac, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un de bien, croyez-moi. Et pas de soucis, bah après je me suis arrangé, quand il y a des problèmes comme ça, avertissez-nous et pas le FBI. Ah mais, après, moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée. D'accord, bah heureusement. Bien sûr. Bon, encore une explosion encore en ville. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Oh là là. Faire attention à vous. Hein. Courage surtout, hein. J'ai un énorme respect pour la fonction policière. Hein. Bien sûr, j'ai un respect. Ouais, moi aussi. Allez, bonne soirée. Oh, ouais, au revoir. Et au revoir le chien. Dégage. Merci pour le sachet de bonbons.
Eh bien, je vais devant. Incroyable le chien. Ouais, merci. Sachet de bonbons. Qu'est-ce que je fais là? Moi, je voulais aller à l'héliport prendre mon hélicoptère, mais il allait me demander si j'avais mon permis. Putain, fait chier, quoi. Il allait me demander si j'avais mon permis d'hélicoptère. Et je l'ai pas passé, non. J'ai tenté, mais c'est bon, je sais faire. Et du coup, je lui ai fait « Ah, non, je vais rentrer chez moi, mais j'ai rien à faire ici, putain !» Je vais pas aller récolter du raisin, quoi. Bon. J'y retourne. Ah, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Mon hélicoptère ! Où est l'héliport, déjà ? Fab qui a payé 100 000 balles ! Pardon. Mais c'est plus rapide par là. Mais je ne peux pas casser ça. Par contre, je peux... Je veux mon hélicoptère. Non. Tout va bien. Tout va bien, c'est juste un petit choc. J'ai vu bien pire aujourd'hui. J'ai vu bien pire. Ok. Parfois, j'ai l'impression de voir des miracles aujourd'hui. On m'a ressuscité, je vois un chien qui ouvre les portes, des sangliers qui tombent du ciel. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Je rencontre un prêtre. C'est bizarre. Non. Ah putain, les poteaux conduisent n'importe comment dans cette ville. Je donation de Montazac, respectez-moi, bordel. Après, si on a voulu que je ressuscite, c'est peut-être parce qu'on voulait que je continue mon business. Peut-être parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel qu'on a décidé de me donner une deuxième chance. Je suis invincible en fait, j'aurais dû crever là. Oula. J'aurais dû crever là. Je vais faire un test. Oui. Normalement ce poteau j'aurais dû me le prendre. Un test. Mais j'aurais dû crever là. N'importe qui à qui ça arrive. Il tombe dans les pommes au moins. Mais attends, et n'importe qui faisant ça se ferait poursuivre par les flics. Et oui, je suis béni. Je suis béni. Voilà là, complètement. Je ne crains rien. Je n'ai aucun problème. Je ne crains rien. Y a aucun souci. Tout va bien. C'est incroyable. Je suis béni. Et n'importe qui, se mettant au milieu de la route, on est d'accord, ce serait du suicide. Mais attendez un peu. Arrête-toi! Arrête-toi! Donne-moi ta caisse! C'est incroyable. C'est incroyable! Je suis béni!
Incroyable. Mais non. Et où est mon hélicoptère ? Je crois que j'ai une petite réputation auprès des pilotes d'hélicoptères. Ah non, mais c'est pas ici. Ah non, mais c'est le privé. Héliport. Port privé. Là ? Garage privé. Peut-être dans mon garage public ? Peut-être que j'aille au garage public ? C'est quoi ça d'ailleurs ? Rogers. On fout de Rogers. Ah, mon hélicoptère. Non mais c'est impossible qu'il soit là-bas. Je vais mener l'enquête. Mais je suis invincible. Je suis béni, je suis invincible. Je me fais flasher, mais je m'en fous. Incroyable. C'est incroyable ce qui m'arrive. Il m'arrive rien, tout quoi que je fasse, tout est parfait. Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je affaire ? Vous êtes le chauffeur de taxi qui est venu sur mon domaine ? Je suis le chauffeur de taxi, effectivement. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Je récupère les taxis pour la compagnie, je dois les sortir et quelqu'un se chargera de les ramener au dispatch. Excusez-moi ! Oh pardon, je vous ai coupé la parole ! Je vous ai coupé la parole, excusez-moi, je prenais ce véhicule sans permis. Pas de soucis, non, je disais juste que je dois sortir les taxis pour la compagnie, ils seront récupérés plus tard. Ouais, je vois. Ok, très bien. Rien de bien fou. Quels sont vos tarifs en tant que taxi ? Ah, ça dépend de la course, ça dépend du client, clairement, je m'adapte. D'accord. Et quel est... juste une question comme ça. Quelle est votre consommation de vin, par exemple ? Ah, le vin, disons que c'est pas ce que je préfère. Qu'est-ce que vous préférez ? J'ai une acquaintance pour le whisky, mais... Ah ? Une petite bouteille de vin de temps en temps. Ah, mais le champagne, alors ? Le champagne, hein ? Le champagne des petites bulles. C'est souvent sympa. C'est sympa, hein ? Eh bien, ça tombe bien qu'on parle de ça. Car je suis Donatien de Montazac, vignoble bien sûr, exploitant viticole, et il se trouve que j'ai sur moi de quoi peut-être vous faire plaisir. J'ai des bouteilles de champagne, j'ai des bouteilles de vin, est-ce que ça vous dirait d'essayer peut-être ? Ah bah, moi je suis toujours pour un petit échantillon. Un petit échantillon évidemment, mais rien n'est gratuit par contre, hein. Évidemment j'ai une affaire à faire tourner, vous vous doutez bien. Je comprends, mais après, vu que c'est un échantillon test, est-ce qu'au moins une petite réduction, on va y réfléchir. Vous voulez plutôt quoi ? Du vin ou du champagne ? Ah, personnellement, ce sera plus du champagne. Alors, le champagne, très bien. Bon, d'habitude, le champagne, c'est un champagne, je vais pas vous mentir. Le champagne, c'est assez cher.
et c'est d'assez haute qualité, hein, puisque évidemment on est un vignoble de prestige. Évidemment, d'habitude la bouteille de champagne ne bondissait pas au ciel, bien sûr, quand je vais vous dire le prix. Vous inquiétez pas, vous allez avoir une réduction. La bouteille de champagne est à 1 200 $ à la base, je veux bien vous la faire à 1 000. Ah oui, mais là je suis chauffeur de taxi. Et moi je suis exploitant viticole, chacun a son métier bien sûr. Non, mais comprenez qu'en tant que chauffeur de taxi, ce genre de tarif, je peux pas vraiment... Combien vous seriez prêt à mettre pour une bouteille de champagne? Ah bah, alors une si bonne, avec un prix pareil... le truc, c'est qu'au niveau de mes dépenses, je peux pas aller au-delà des 500, j'en suis bien désolé. Aïe. Ah, ça va être compliqué. C'est trop peu pour vous. Bah oui, évidemment, ça risque d'être un peu faiblard, quoi, je vais pas vous mentir, quoi. Mais je comprends parfaitement. Mais comprenez bien que je ne suis que chauffeur de taxi. Mais bien sûr. Oh, écoutez, vu que c'est notre première interaction, je vous l'envoie une à 500. Ah, 500, bah écoutez, bah ce serait parfait. Allez, je vous la donne à 500. Hop là, c'est donné, hein. Vraiment, c'est parce que vous m'êtes sympathique, hein. Et que vous m'avez apporté le prêtre, hein. Et c'est quelqu'un de très sympathique, la dernière fois. Hein, oui, et puis c'est vrai que du coup, apparemment, votre affaire, parce que je l'ai reconduit tout à l'heure, vous avez eu un petit deal, donc c'est parfait. Absolument, tout à fait. Et voilà aux 500 $. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien écoutez, au plaisir de vous revoir. Mais de même. À bientôt. $500, non mais connard. Plus jamais je brade mes prix comme ça. Hein. Non mais c'est pas vrai quoi. Hein. Bon. Faut que j'aille... Allez, j'y vais moi-même cette fois. C'est pas possible cette histoire. Hein. Je suis tellement généreux, mais ça c'est le prêtre. Mauvaise influence sur moi là. Hein. Faut que j'arrête de le fréquenter. Hein. Ouais. Après, c'est un taxi, il pourra dire que mes bouteilles de champagne... Il va dire, les bouteilles de champagne de chez Donatien de Montazac, il les vend 500. Les gens vont venir chez moi ensuite. Ils vont dire, la bouteille de champagne, c'est 500, m'a dit ce chauffeur de taxi qui rencontre des gens toute la journée. Bah non, c'est 1 000, connard. Quoi? Mais pourquoi vous l'avez vendu 500 à un chauffeur de taxi? Et bah voilà, super, c'est qui est dans la sauce, ma... Heureusement que je suis béni, putain. Heureusement que je suis béni, bordel. 5 heures. La gueule, je suis béni. Oh là là. Heureusement que j'allais à l'hosto, hein. C'est pas vrai! Allô? Oui, monsieur de Montazac, ça fait longtemps, c'est le docteur White. Oui, docteur White! Comme vous savez, vous avez 2 stagiaires, il y a... que vous avez virés. Oui, je les ai virés, oui. Mais en fait, je pense que vous avez fait une très grosse erreur, puisqu'ils ont l'air d'avoir un potentiel exceptionnel. Excusez-moi, je suis au téléphone, capitaine, j'arrive tout de suite! Pardon. Mais non, vous dites ça, vous les avez virés vous-même! Non, je ne les ai pas virés, je ne les ai jamais eus. Mais je pense que vous avez fait une grave erreur. Donc si un jour on peut en discuter, je peux vous les... Excusez-moi, faut que je raccroche. Pardon. Vous êtes une merde, monsieur Montazac. Pardon ? Ah, excusez-moi, non, c'est... Bonne journée. Accrochez, monsieur. Merci. Bon, monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête ? Bah non, pas tellement, qu'est-ce qui se passe ? Bah ça roule vite, monsieur, ça roule super vite. Bah, est-ce que ça, je me suis pas fait flasher ? Mais qu'est-ce que vous... Attendez, mais vous croyez où dans un jeu vidéo, monsieur? Bah pas du tout, je sais très bien que c'est la vraie vie. Bah voilà, et moi-même, je suis... Regardez la caisse dans laquelle je roule. Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui aime la vitesse?
Non, ça, mais vous avez roulé vite, quoi. Bah justement, je suis en dessous des limites et je respecte la loi, vous me connaissez, Capitaine Boyd, merde. Non, non, mais arrêtez de dire ça, que vous osez prétendre que vous... Non, mais s'il vous plaît, vous voulez vraiment que je vous amende énormément ou pas, le dire de la merde? J'aimerais que vous dites la vérité, on vous a vu, vous avez le sergent avec moi, le sergent Yinch, et le cadet Panis avec moi, on vous a tous vu, hein. Bon bah écoutez... Agent charmanté. Je n'ai pas fait attention, probablement parce que j'étais au téléphone, parce que je me faisais insulter par un docteur, je vais à l'hôpital en plus de ça, donc... Oh putain. Voilà, bon bah allez... Faites attention à vous, monsieur. Bah évidemment. Vous êtes une petite amende. Petite amende, ça commence à faire beaucoup, mais oui, dites-moi. Ah non, mais ça va, c'est pas non plus cher. Vous voyez quoi? Je sais que... Ah, vous êtes pauvre, c'est ça? Bah là, en ce moment, les affaires, ça roule pas de ouf, hein, on va pas se mentir. Hein. Allez, tenez. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Et ne me prenez pas non plus pour un con, monsieur... Demont. D'accord. De Montazac, oui. Bah, je prends jamais pour un con, j'ai un énorme respect pour la fonction policière. Ah, ok, d'accord, pas de soucis. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous, messieurs. Monsieur. Courage surtout, hein. Putain, les 500 balles du tacos, ma bouteille de champagne. Oh putain, mais c'est lui en plus. Je lui en refile une, hein. Ah non, c'est pas ici. Comment on se retrouve, hein? Bonsoir. Bonsoir. Hey. Y'a quelqu'un ici? Est-ce qu'on pourra prendre un médecin, s'il vous plaît? Un médecin, s'il vous plaît. Oui, moi, ça m'intéresse aussi. Ah, je vous en prie. Oui, excusez-moi. Ah. Oh. Excusez-moi, monsieur Montazac. Bonsoir. J'aimerais bonsoir. Me faire soigner, là. J'ai eu quelques soucis sur la route. Oui, pas de soucis. Bah écoutez, suivez-moi. Je vous en prie, merci. Faire ça tout de suite. Alors, comment ça va le personnel hospitalier? J'ai beaucoup de respect pour le personnel hospitalier, hein, vous le savez. Hein. Ah, bah c'est bien aimable à vous, monsieur Montazac. Je vous applaudis tous les jours à 20h. Hein. Ah, bah voilà, ça c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, effectivement, ça nous aide beaucoup. Oui, bien sûr, je sais. Je sais. Alors, qu'est-ce qui vous est Eh bien, il se trouve que dans cette ville, les gens roulent n'importe comment. Oui, ça, c'est bien vrai. Voilà, donc moi, je me suis pris une voiture en pleine face. Et heureusement, je suis béni des dieux, donc je ne suis pas mort, quoi. Je vous en prie, installez-vous. Alors. Vous allez... Le docteur Maison n'est pas présent? Le docteur Maison, il est en intervention. Il y a le docteur White qui est... J'ai quelques mots à lui dire au docteur White. Y aurait-il moyen de le trouver? Oui, bien sûr. Bah, je peux vous amener. Il est en ce moment même dans son bureau. Je pense que ça vous fera plaisir de le voir. Bien ça sûr. Vous plaisir, ça vous fera plaisir à de nombreux égards. Vous... Bien sûr, bien voilà. Sûr. Alors, voilà, je vous donne un petit antidouleur. Pour faire passer, merci beaucoup. Les maux de tête, parce que j'ai l'impression que vous avez une petite commotion. Oui. Et puis on sera bon. Merci beaucoup, madame. Levez-vous tranquillement, assurez-vous que vous n'avez pas de vertige. Tout va bien. Et puis je vais vous amener au docteur White. Oui, tout à fait. Parce que vous allez être... Je vais être ravi de le voir. Oui, parfait, bah, très bien. Je vais être ravi de le voir, bien sûr. Évidemment. On est toujours ravis de voir le docteur White, hein, notamment pour sa capacité à sourire et à répandre le bonheur de manière contagieuse. Hein, c'est vraiment... Bien sûr. Très bien sûr, bien sûr. Ah, le docteur White, hein, on avait passé un bon moment ensemble à un moment, mais là on va en passer un encore meilleur, je pense. Hein. Ah, bah c'est très bien, ça me fait drôlement plaisir. Bien sûr. Bon, tâchez de ne pas trop mettre de sang sur les murs et de cervelle au plafond parce que... Quoi ? Il n'y a aucune raison pour ça. On est un peu en pénurie de personnel. Bien sûr. Et derrière cette porte, je vous souhaite une... Merci beaucoup. Regardez. Dr. White et les croûtes. Mon cher... Messieurs, dames. Mon cher Donatien... Alors, il va falloir qu'on parle un petit peu tous les trois, j'ai l'impression. Mais il faut qu'on parle, mais... J'ai l'impression... Mes mots ont dépassé mes pensées. Ah, j'ai fortement l'impression. Je trouve ça quand même... Déjà, pourquoi vous êtes au-dessus de moi? Arrêtez d'être au-dessus de moi, j'ai 50 ans, monsieur. Excusez-moi. Oui, merci. Donc bon, moi je trouve ça quand même assez particulier, puisque ces deux personnes... Je suis votre avocat.
On se met dans le coin. Oui, on attend. Bon, ils sont assez particuliers, je suis d'accord avec vous, monsieur Montazac. Vous avez vécu drames et difficultés dans votre vie. Alors dans ce cas-là, si c'est des gens aussi fantastiques que ça, pourquoi vous les prenez pas en stage vous-même? Puisque je suis médecin. Et pour être médecin, il faut être solo. Un médecin exceptionnel. Mais écoutez-moi bien, monsieur White. Je vais vous dire quelque chose par rapport aux croûtes. Hein. Déjà, ils n'étaient certainement pas sous votre tutelle au moment où ils étaient employés à l'hôpital. Mais je sais de source sûre de la part du capitaine Boyd en personne qu'ils ont vidé les coffres de l'hôpital à l'époque. Quoi ? Ils ont vidé les coffres de l'hôpital. Mais alors, écoutez... Non, on a déjà parlé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Attends, Antoine, c'est moi qui parle. Ok, c'est toi qui parle. Bon. Quoi ? Boyd, il ne travaille pas à l'hôpital. Donc c'est pas une source sûre, en fait. Le capitaine Boyd n'est pas une source sûre. On aura tout entendu. Et la police, c'est autre chose, c'est pas l'hôpital. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est écoutez-moi. Je peux parler. Ça veut dire que c'était vous qui les avez volés. Non, c'est pas moi. Rien à voir. Ça n'est pas du tout dans la même. Ça n'est pas le même laps de temps. Non, c'est pas nous. Écoutez-nous. Antoine parle. Écoutez Antoine. Bon, il va falloir payer les conséquences de vos actes un jour, les croûtes, hein. Écoutez-moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le docteur Maison qui nous a dit de prendre des équipements. On a pris des équipements. Puisque le docteur Maison a été très mal ce matin. Le docteur Maison est la personne la plus sainte de cette terre. C'était pas la même chose, c'est pas la même chose. Les éliminateurs, c'est pas nous. Il m'a demandé de chercher qui l'avait fait, c'est pas nous. Appelez-le. Je vais vous dire. Oui, appelez-le, vraiment, c'est pas nous. Vous vous de ce que vous avez fait? Mais on a rien fait. Je vous ai tout donné, je vous ai donné ma main. Vous nous avez donné. Et voilà, voilà, docteur White. Vous êtes exactement dans la même situation que dans laquelle je me suis trouvé il y a quelque temps. De déception en déception, bien sûr. Dites pas qu'on vous déçoit, on n'a rien fait. Je voulais croire en l'humain. Vous n'avez rien fait, c'est bien ça le problème. Merde. Comment ça? Vous dites qu'on fasse quoi? Peut-être travailler pour la boîte. Mais écoutez, nous on travaille, on essaye de... On est vos espions, on va à droite à gauche. Mes espions. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est vous faire embaucher dans une secte et faire tout exploser. Monsieur Maison, il faut que vous veniez au bureau de monsieur Cox. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec vous. Je pense avoir trouvé les gens qui ont vidé les défis. En plus, c'est pas moi qui tout fait exploser, c'est l'autre là, mystérieux, je sais pas quoi. Ah, je l'ai croisé lui, ça m'a l'air d'être un sacré phénomène. Ah oui, bah moi aussi je l'ai croisé, il était chez vous. Excusez-moi, est-ce que tout le monde peut se taire? Est-ce que je peux parler? Allez-y Antoine. Oui, nous avons fait des erreurs. Et effectivement, quand on nous a montré les stocks de l'hôpital il y a longtemps, et donc non pas l'histoire des défibrillateurs, on nous a dit « servez-vous ». Et nous, voilà. On ne connaît pas très bien les demi-mesures. Mais on s'est expliqué avec monsieur Maison qui nous aime beaucoup, et vraiment, et c'est un peu un papa spirituel. Dis-leur, Antoine. Comme je le voyais un peu d'ailleurs avec Donatien. Ah, c'est un peu mon père spirituel aussi, effectivement. C'est dommage d'arrêter, allez au but. Dites les termes, vous êtes des voleurs. Laissez-le parler. Eh ben non, justement. Vous êtes des putains de voleurs. Mais on n'a rien volé. Et voilà, monsieur White. Ça valait le coup de me traiter de grosse merde au téléphone, hein. Nous, on lui a pas dit de traiter de grosse merde. Non, mais je me suis emporté, monsieur Montazac. J'ai bien l'impression, vous oui. Vous n'avez jamais été humain? Oh, si, bien sûr, je ne suis que ça, vous savez. Ah, des fois, vous... Docteur. Bonjour, est-ce que... Oh, docteur Maison! Il est parti en pleurant. Ah, oh, cher ami, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Il y a un problème! Ouais, en fait, il y a un gros problème. On sait que c'est les croûtes qui ont volé tous les défibrillateurs à l'hôpital. Seigneur Dieu. Ils viennent d'avouer. Mais le problème, c'est que c'est 200 défibrillateurs, donc bon, il faudrait 7 vies pour rembourser. Alors, ils ont été récupérés il y a le jour de leur licenciement par le LSPD. Même si on en a dû en perdre peut-être une cinquantaine ou une centaine. Vous savez ce que c'est, 50? Mais le problème, c'est qu'ils veulent chercher des stages dans toute la ville. Comment on peut leur faire confiance? Bah oui. Écoutez, docteur Maison, vous connaissez ma bienveillance et mon honnêteté. On s'est croisés beaucoup de fois, hein, vous savez. Tout à fait. Honnêteté, en claquette chaussette. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, là-bas? Écoutez, ne jugez pas le... Faites attention. Qu'est-ce qu'il me veut, mulet, là-bas? Je suis Donatien de Montazac, une des personnes les plus respectables de cette ville. Je ne vous connais même pas. Eh ben, moi non plus. Ça m'étonnerait. Calmez-vous. Revenons à nos bisons, cher ami. Que disiez-vous? Non, c'est les moutons, en fait. Pardonnez-moi, cher ami. Ouais. Donc bon, ils sont où les croûtes là? Il faut qu'on... Eh bah encore une fois on the run quoi. Et pourquoi la confrontation? Vous avez retrouvé mon cousin? Bah attendez, il doit être Vava qui est avec elle. Où est passé-vous? Avec lui.
Oui, non, je parlais à Vava, pardon, excusez-moi. Pourquoi suis-je parti en pleurant les croûtes? Mais parce que... Bah parce que lorsqu'on est coupable, on pleure. Ils ont encore une fois essayé d'arnaquer un honnête citoyen. Ils ont tenté de vous voler à nouveau? Non, pas de... Enfin, on ne sait pas trop, en fait. Ce sont des parasites, hein, vraiment. Moi, je... L'illégal, vraiment, me rend fou. Ah, mais moi aussi, hein. Plus personne. Ah, ça me rend dingue. C'est... Comment c'est possible, en fait? Je ne sais pas. Vraiment, c'est une morale que je ne comprends pas moi-même, hein, bien sûr. Oui. Imaginez, vous avez plein de choix possibles et vous prenez le choix de ne pas être dans la pure légalité, dans la pure lumière. Comment c'est possible? Mais je ne comprends pas. Je ne suis que lumière moi-même, hein, depuis que j'ai été béni, en plus. Écoutez, hein. Il y a des gens qui n'ont parfois pas de race, vous savez, ou qui sont parfois en dessous du top 100. C'est ces sous-races qui vont dans la criminalité, malheureusement. Oui, mais je ne comprends pas. Voilà, ah, d'accord. Voilà. C'est je vois. Voilà. Mais le Dr. White étant dans le top 50 en hélico, je sais qu'il est dans la lumière. Je suis un pilote exceptionnel, mais bon, c'est pas la seule chose que je sais faire dans la vie, mais on en parlera plus tard, monsieur. Bon, ils sont où les croûtes, là? Parce que moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Voilà. Et allez fouetter des chats, cher ami, bien sûr. Je ne juge pas vos pratiques sexuelles, bien sûr. Ouais. Ah là là, mais quelle histoire, hein, vraiment, hein. Quand j'ai entendu votre coup de fil, ça m'a mis hors de moi, mon ami, hein. Je suis désolé, monsieur Montaza. Nous qui avions clubé un petit peu ensemble, je me suis dit, mais que s'est-il passé, quoi? Vous ne pouvez pas m'en vouloir. Vous êtes un humain parfait, vous? Pardon, messieurs. Non, personne ne l'est. Mais je tente jour après jour de m'en approcher. Moi, je me suis construit sur des failles, écoutez, monsieur Montazac. J'ai vécu des choses dans ma vie et je peux pas toujours garder mon sang-froid, garder mon calme. Vous savez ce qui pourrait parfois vous calmer un petit peu, mon cher Dr. White? Je vois. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Monsieur White? Oui. Vous savez ce qui pourrait vous faire garder votre calme, mon cher Rayou White? Quoi? Un bon vin. Ah, bah ça je peux. Un bon vin. Un bon vin. Un très très bon vin, un excellent cru que je donne à peu de gens, à vrai dire. Un bon vin? Un très très bon vin. Mais pas un mauvais vin? Bah non, certainement pas, non. Un bon vin? Vous êtes plutôt vin blanc, vin rouge, champagne peut-être? Je prendrai tout. Tout? Tout? Bah alors, excusez, alors, j'en suis absolument ravi, puisque je suis, comme vous le savez, exploitant vigneron. Mais malgré tout ceci n'est évidemment pas gratuit, monsieur White, hein, vous doutez bien. Il faut bien que je fasse tourner la boîte, hein. Vous doutez bien, j'ai quelques employés. Quand les croûtes ne me volent pas, bien sûr. Hein. Oui, mais moi j'ai peut-être tout gros, j'ai pas mal de... Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'argent, mais j'ai d'autres choses. Ah, mais moi je prends surtout l'argent, hein, globalement. Combien ce serait? Et quel est votre budget, globalement? Voyons voir ce que je peux faire avec ça. J'ai seulement 20 000. Ah, seulement 20 000. Avec ça, je peux peut-être vous avoir... Sachant que la bouteille de champagne est à 1000, normalement. 1000 Mais vous mettez quoi, des feuilles d'or dedans? Exactement, mais ne le dites pas, c'est dans le coffre de l'entreprise, exactement comme chez Coca-Cola. La recette est secrète. Ouais, ok. Donc, bon, c'est pas si secret, vu que je sais que vous mettez des feuilles d'or, mais oui. Ben oui, mais vous ne connaissez pas le reste. Je peux vous donner pour... Allez, vous êtes un ami, et nous nous sommes réconciliés. Pour ceci, je peux vous donner, allez, 10 bouteilles de champagne... Et 10 bouteilles de vin, qu'est-ce que vous en dites? Et 15 bouteilles de vin, allons-y, soyons fous. Pour 20 000 Et une bouteille de vin blanc, je rajoute. Mais vous vous foutez de ma gueule, monsieur de Montazac. Bah pas du tout, ce sont les prix du marché, monsieur White. Mais comment ça se fait? Vous voyez, vous commencez à vous emporter. Mais je dis, attendez, il y a trop de... Dr. White, vous m'avez pas dit que vous ne buviez pas? Mais oui, mais comme vous savez, lorsqu'on invite des gens à la maison, on doit bien leur servir du vin. Vous voulez que je lui donne quoi, de la pisse? Bah écoutez, vous connaissez-vous l'urinothérapie, cher ami? Bah oui, l'urinothérapie peut être sympa, mais je préfère quand même donner un bon verre de champagne plutôt qu'une rivière d'urine à mes adversaires. C'est comme ça que j'appelle mes amis. Mais je comprends, cher ami, je comprends. Écoutez, monsieur White. Venez. Monsieur White. Je me sens épié, je me sens... Mais surtout qu'on n'a pas volé, on savait pas. Oui, mais oui, vous avez pas volé. Oh là là. De toute façon, oui. Vous êtes dans la sauce, les croûtes, hein? Ouais, il y a des croûtons dans la sauce. Ah là, c'est pas très bon. C'est bon à manger. Écoutez, je peux vous donner, en échange des 20 000. Je peux. Je regarde ce que j'ai sur moi, bien sûr, hein. Sinon, faut venir au vignoble pour ça, parce que là, on a un plus gros stock, mais... Dans les 20 000, en vrai, c'est même plutôt donné, hein. Ce que je vous propose, c'est 10 bouteilles de champagne, 18 bouteilles de vin, une bouteille de blanc et un café. Pour le matin. Ok. Est-ce que j'achète votre consommation pour 500 $, mais... Je deviens
Si vous avez un problème, je dois débarquer tout de suite pour vous réparer. Oh, attendez, j'ai... Oui, allô, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oh, excusez-moi. Le devoir m'appelle, les gens me crient dans les oreilles. Moi, je pense que 500$ est un bon prix pour votre... Non, je suis désolé, je ne brade pas mes prix. On est quand même une maison de prestige. Je comprends votre désarroi, monsieur White, mais je ne peux pas répondre à votre appel à ce niveau-là. On en reparlera. Tout à fait. Plus d'argent. Bonne soirée, alors, à vous. Hein. Et dommage. Dommage. De merde. Pardon ? Ça me fait plaisir de vous avoir vu. Moi aussi. Je vais aller écouter ce qu'ils disent là-bas quand même. Qu'est-ce qu'ils disent les croûtes ? Bon, écoutez, moi, tout est trop difficile. Qu'est-ce que vous faites là encore? Je voulais écouter un petit peu ce que disaient les croûtes. Mais vous êtes totalement discret. Bon, moi, j'ai un appel d'urgence à faire, donc... Merci beaucoup. Allez, frères et sœurs, ça va vite. Une énorme murge. Juste, on va boire. Une énorme murge. Monsieur, cher ami de Montazor. Oui. Nous entretenir, vous et moi. Bien sûr, allons-y. Venez, cher ami. Venez, cher ami. Eh ben, vous savez quoi, on va juste aller boire beaucoup d'alcool. Moi, Attendez, excusez-moi, je reviens tout de suite. Qui a dit ceci? Quoi? Qui a parlé d'alcool? Moi. Personne, on parle pas au clé de quelque chose. Moi, monsieur. Pour le service. Ok. Quel genre d'alcool vous appréciez, madame? Ah ben moi, je suis une grande amatrice de champagne. Oh, excusez-moi, je reviens tout de suite. Justement. J'ai deux bouteilles à vendre. J'arrive tout de suite. J'ai juste une toute petite affaire à régler. J'arrive tout de suite, docteur Maison. Cher ami, faites donc. Seulement 300 euros la bouteille. Non, c'est de la piquette. Suivez-moi, madame. Suivez-moi. Nous, on le suit pas. Donc il lui parle même pas pour nous. Madame, savez-vous à qui vous avez affaire? Mais vous êtes Montazac. Je suis Donatien de Montazac. Effectivement, un nom que personne n'ignore en ville. Et vous savez ce que je fais, bien sûr. Oui, je sais, vous faites du vin. Du vin, mais pas que. Je fais aussi du champagne, dites-vous. Ah. Et il se trouve que j'en ai sur moi au moment où je vous parle. Oui. Quel serait votre budget, globalement? Oh bah écoutez, moi je travaille au LSMS, ça paye pas des masses, hein. Mais, oui, mais du coup, c'est-à-dire? Bah je dirais que si... Combien est-ce que je pourrais avoir de bouteilles pour 5 000$? Pour 5 000? Normalement, c'est 2 000 la bouteille, mais vu que vous m'êtes sympathique, je pourrais vous en vendre 5. On va dire 1 000 par bouteille. Là, ça me fait plaisir. Ça. Voilà. Vous êtes un homme d'affaires, un vrai homme d'affaires. Bah écoutez, c'est un plaisir de rendre service au personnel hospitalier. Je vous applaudis tous les soirs à 20h, hein, on le rappelle. Ah oui, on va finir par le comprendre, oui, c'est sûr. Tout à fait. Tenez, voici 5 bouteilles. Ah bah alors, je vous donne 5 000. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est beaucoup. Un plaisir. Hein. Si vous avez envie de boire des choses de qualité, n'hésitez pas à passer au vignoble, hein, bien sûr. Ah bah écoutez, ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Sachez que c'est les petits là qui ils vendent bien votre marque, hein, puisque. Ouais, mais bon, ils ont fait quelques bêtises, quoi. Mais c'est faux. C'est comme ça que je connais votre nom, hein. Bon bref. Oui, je comprends. Monsieur Maison, merci beaucoup, madame. Plaisir. Je vous en prie, petit tout. On se murge au champagne, tu veux... Cher ami, oui, allons-y. Oui, bien sûr. De quoi vouliez-vous que nous nous entretenions? Je voulais qu'on... Justement, que nous discutions des croûtes. Des croûtes? Ah oui, vaste sujet, hein. En effet, cher ami. J'ai donc appris leur malheureux licenciement. Tout va bien? Oui, excusez-moi. Ah, je vous entends très mal. Allons peut-être dans le canapé, peut-être. Vous m'entendez, cher ami? Ah oui, je vous entends très bien. Ah, formidable. Formidable. Oui, comme je disais, excusez-moi, j'ai appris donc le licenciement des croûtes. Oui. Pour quelle raison, cher ami, avez-vous fait ça? Dites-moi tout. Bien, déjà, j'ai appris de sources sûres, c'est-à-dire du capitaine Boyd, hein, c'est pas n'importe qui, bien sûr. Que ces personnes-là avaient volé le matériel hospitalier et qui était probablement la raison de leur licenciement à l'époque de leur stage dans l'établissement. Et moi, comme vous le savez, je soutiens le personnel hospitalier, j'applaudis tous les soirs à 20h, hein, bien sûr. Bien sûr.
Merci à vous. Et du coup, j'avais déjà mauvaise réputation. Ils avaient déjà mauvaise réputation. Ils m'avaient volé des camions. Ils avaient essayé de faire du chantage avec moi. C'était assez terrible, quoi. Mais ils ont tellement insisté et ils étaient tellement misérables, j'ai envie de vous dire, que je me suis dit, allez, tentons le coup. J'en ai parlé à Fabien et Fabien était d'accord. On les a engagés. On a engagé les croûtes. Et bon, ils ont commencé à récolter un peu de fruits. C'était pas si mal. Mais à partir de là, ils n'ont plus jamais travaillé. Ils ont fait disparaître mes camions, dont un qu'on a retrouvé dans une rivière. Impossible de le sortir, donc il est perdu à tout jamais, évidemment. Et en plus de ça, ensuite, ils me proposent d'espionner je ne sais quelle personne pour je ne sais quelle raison. Et ensuite, ils se retrouvent dans des sectes, et ainsi de suite. Et en plus de ça, après, on m'appelle pour me dire que j'emploie des mineurs, car ils ont 16 ans. Et du coup, ça me met dans la sauce. Comprenez bien que je ne peux pas rester comme ça. Il fallait que je les licencie. Je comprends, cher ami. Je comprends tout à fait. J'ai une proposition à vous faire, cher ami. Dites-moi. Un stagiaire. Ça coûte 0$. Ah oui, je sais bien, mais... Bien, dans ce cas-là, modifiez votre feuille. C'était quoi ce bruit ? Ne vous inquiétez pas, c'est les zeppelins qui ou les dirigeables qui avaient explosé de temps en temps. D'accord, très bien. Pour nous applaudir, justement. Ah oui, oui, beaucoup de respect, bien sûr. Tout à fait, cher ami, tout à fait. Et donc ? Si vous voulez payer 0$ du quart d'heure. Mais oui, mais le truc, c'est qu'ils vont encore avoir accès à mes camions, et mes camions, ils vont disparaître. C'est ça, le problème, en fait, c'est que... Je sais qu'ils ont vidé le coffre de l'hôpital, je n'ai pas envie que ça arrive dans ma petite entreprise, vous vous rendez bien compte. Je comprends, cher ami, je comprends, je comprends. Je comprends. Bah, et donc... Bah, moi, en fait, le problème, c'est que je leur ai laissé énormément de chance, et j'ai l'impression que dans cette ville, il n'y a qu'à moi qu'on demande de leur laisser beaucoup de chance, en fait. J'ai l'impression que je suis un peu le seul chef d'entreprise, et comme je suis bonne poire, hein, bien sûr, on me propose tout le temps de les prendre, mais sauf que moi, j'ai suffisamment donné envers les croûtes, quoi. Je comprends, votre bonté vous perdra, cher ami. Comme... Bah, évidemment, évidemment, mais bon, écoutez... Ça me fait de la peine pour eux, et surtout que vu que c'est vous qui me le dites, et que, bah, j'ai une immense confiance en vous, ça me fait un petit peu hésiter. Écoutez, vous savez quoi ? Je vais pas faire ça ce soir, par contre, mais j'en parlerai peut-être à Fabien, et on verra ce qu'on... De toute façon, ce genre de décision, faut qu'on les prenne de façon collégiale, avec mon associé, bien sûr. Tout à fait, j'entends bien, cher ami. Dans ce cas-là, je pense que, voilà, peut-être... Pourrions-nous en discuter tous les trois, si vous le souhaitez, pour que je fasse aussi... Mais j'ai l'impression que vous êtes assez attaché à ces jeunes, monsieur Maison. Écoutez, les deux anciens, docteur Croûte et Croûte, en effet, m'ont ému, voyez-vous, ah oui. par leur histoire. Ce sont deux jeunes enfants perdus. Bah, j'ai bien l'impression, oui, mais je ne suis pas sûr de pouvoir être la personne qui puisse les guider vers la lumière, quoi. Peut-être devrait-il être mis en contact avec monsieur le prêtre. Monsieur le prêtre, je pense, serait ravi de recevoir des gens comme eux. Ce sont les clients parfaits, même. C'est vrai. J'ai aussi également pensé à en faire des enfants de cœur, également. Eh bien, écoutez. Peut-être faudrait-il en parler à monsieur le prêtre. Je pense voilà. que j'aurai une discussion avec monsieur le prêtre. Mais je vous laisserai quand même avoir une discussion avec... Bon, avec très bien. Écoutez, j'en parlerai à Fabien. Mais voilà. Écoutez, monsieur Maison, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. À moins que vous vouliez me dire autre chose, dites-moi. Oh non, c'est tout, cher ami. C'est tout ce que j'avais à vous dire, cher ami. Merci beaucoup, monsieur. C'est un plaisir. Un plaisir partagé, cher ami. Dites-moi, j'ai juste une question, vu que vous êtes un expert en hélicoptère. Petite question. J'avais laissé, du coup, mon hélicoptère à un endroit parce que je n'avais plus d'essence, et là, je vous en avais parlé, etc. L'hélicoptère a disparu. Je ne sais pas où le retrouver, en fait. Je ne sais pas s'il a... Laissez-moi passer un coup de fil, cher ami. Très bien. Je sais comment vous le retrouvez. Ah, parfait. Est-ce que vous vous rappelez de la plaque d'immatriculation de votre hélicoptère, cher ami ? Oh, pas du tout. Hélas, je n'ai même pas fait attention. Je ne garde. Attendez, laissez-moi appeler. Mais je ne pense pas qu'il y ait des centaines d'hélicoptères de perdus, bien sûr. Béatrice, oui, c'est le docteur Maison. Oui, tout à fait. Oui, c'est concernant l'hélicoptère de Donatien de Montazac, cher ami. Un hélicoptère, en effet, qu'il aurait... Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vous allez le... Ah, vous m'envoyez ravi, cher ami. Ah. Très bien. Très bien. Vous êtes exquise. Vous êtes exquise, cher ami. Formidable. Formidable.
Je le préviens immédiatement, cher ami, je le préviens. Je préviens immédiatement, cher ami. Merci à vous. Prenez soin de vous, cher ami. Formidable. Au revoir. Très bien. J'ai réussi à m'arranger avec, avec l'équipe qui s'occupe des véhicules. Et votre hélico se trouve actuellement à la fourrière. Ah, mais où est-elle, la fourrière? Alors, je vais vous envoyer un SMS. Ah, merci, oh là là, mais qu'est-ce que je ferais sans vous, docteur? Qu'est-ce que je ferais sans vous? Vous êtes vraiment un saint homme, hein, vraiment. C'est... Vous êtes vraiment le sang, comme dirait mon collègue. Merci. Vous allez me faire rougir, cher ami. C'est votre bureau, c'est celui du Dr. White, ici? Et le 3. C'est votre bureau Cox. Ou celui du Dr. White, ici? Celui du Dr. Cox, cher ami, Dr. Cox. Ah, le Dr. Cox. Ah oui, il faudra que j'aille le voir, hein, bientôt. Hein. Ah, bien sûr, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient, mais peut-être demain, je crois. Si très je bien. Je vous dis pas de bêtises. Alors, Donatien, le monte à Zach. Et moi-même. Parfait, Dr. Maison, merci infiniment. Je vous en prie, cher ami, un plaisir. Vous pouvez aller directement vous rendre à la fourrière, l'hélico vous attend. Merci beaucoup. À très bientôt, je l'espère. Hein. À très bientôt, cher ami. Très probablement, vu comment les gens conduisent sur la route, hein, bien sûr. En effet, cher ami. La vue que vous avez ici est tout à fait époustouflante, en tout cas. Tout à fait, c'est délecte. Ah, c'est fantastique. Je ne sais pas où sont passées les croûtes, mais tout cela là ne me dit rien qui vaille. Hein. Ils ont peut-être dû partir, Charles. Oh, c'est le prêtre. Ah, mais monsieur le prêtre! Mon père! Ah, quel plaisir de vous voir ici! Bonjour, docteur Maison. Ben, rebonjour, Donatien. Ah, bonjour. J'aimerais vous parler de deux individus qui pourraient vous intéresser, peut-être. Oui, dites-moi. Les enfants de cœur, ça vous dirait? Bah, bien sûr, mon fils. Parlez-moi de tout ça. Formidable. Écoute, mon père, vous m'avez les croûtes. Oui, ah bah écoutez, j'ai rendez-vous avec Monsieur White, mais je suis tout à fait disponible. Écoutez, docteur Maison, je vous laisse lui parler, il faut que je retrouve mon hélicoptère. Bien super. Sûr, cher ami, faites bien. Eh bah écoutez, Donatien, passez une bonne soirée. Vous bonne soirée. Hélicoptère? Eh bien oui, j'en ai même plusieurs, cher ami. De faire payer cette bouteille de 20 000 euros l'unité. Ah, oui, mais pas l'unité. Docteur White, encore une fois, si vous utilisiez un petit peu de mes boissons, vous seriez plus aimable, et peut-être plus heureux, peut-être. Ok, bah je peux en acheter une, du coup. Une? À combien? Pour 1 000 $. Allez, une bouteille de champagne pour 1 000 $, c'est parti. J'accepte. Merci, monsieur. Non, monsieur White? Monsieur White, s'il vous plaît, soyons sérieux, s'il vous plaît. Monsieur Montazac, je suis très occupé, je suis un... Non, s'il vous plaît, monsieur White, s'il vous plaît. Monsieur White! Non, c'était une boutade, monsieur, c'est... Ah, très bien, merci beaucoup. Il faut que je mange ce soir, tout de même, hein. Les affaires sont les affaires, vous connaissez, hein. Et vu que je suis d'humeur généreuse, je vous donnerai 1 001. Oh, merci beaucoup. Mais c'est toujours ça. 1 $ est 1 $, j'ai envie de vous dire. Exactement. J'espère que vous vous délecterez cette boisson, mais hors service, hein, bien sûr. Bah, bien évidemment. Évidemment. Comme quelqu'un qui fait attention. Bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée, monsieur White. À très vite. Merci. Hop là. Alors... Alors. Donc, ceinture, bien sûr. Docteur Maison, mais quel saint homme. Ouais, que je passe à la banque. Hein. Mais pousse-toi, trou de balle! Je suis Donatien de Montazac! C'est vraiment la Montazac mobile, ça. Hein. Ah, plutôt véloce! Faut que je roule doucement. Je roule doucement. Si l'autre con de keuf vient me retrouver. Absolument que les croûtes. Ah, j'ai refilé la patate chaude là. Bon, alors comment ça se passe? Ah non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Oh. C'est ici. Oh merde! Faudrait que je passe tous mes permis, moi. J'ai essayé tout à l'heure, mais c'était terrible. La fourrière.
Pardon ? Il faut que je paye ? C'est une blague. C'est un gag. C'est un gag, hein. Bon alors. Ah ça y est, il est de la bonne couleur en tout cas. Il est de la bonne couleur en tout cas. Est-ce que je pourrais aller avec ça ? Le problème c'est que je n'ai pas d'héliport ici. Quoique, est-ce que je pourrais ranger le véhicule ? Non, c'est un... Je ne peux pas ranger... Faut que j'aille voir quand même. Je ne pense pas. De toute façon j'y serai en deux secondes avec ce petit bijou. Allons-y ! Oh là là, quelle vie on mène, hein. Quelle vie on mène. Quelle vie on mène. Quelle vie on mène. Tout va bien se passer. Il ne faut juste pas que je me fasse contrôler par le capitaine Boyd. On rappelle que je suis béni, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette maison ? Ah, mais c'était chez les gangsters, ça ! Ou je ne sais plus. Oula oula, calmons-nous, calmons-nous. Nous approchons du domaine. Très bien. Il nous faudra un héliport. Oh non. J'ai l'impression que mon cerveau me fait penser à des trucs que je ne devrais pas penser. Ok, mais comment fait le docteur Maison ? Il a probablement passé son permis. Oh, tout va bien se passer. Oh, tout va bien se passer. Oh, tout va bien se passer, je vous le dis. Oh, tout va bien se passer, je... Allez, mon petit don. Mon petit don. Tout va bien se passer. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Bah c'est pas si mal. Ah. Évidemment, évidemment, ça ne me sert à rien. Et non. Et non, il me faut mon héliport privé. Il me faut mon héliport privé. Tout va bien. Bon, il faudrait peut-être que... Moi, j'ai envie de me pavaner en hélico dans le jeu. Enfin... Oula. 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 Pardon. Fatigue. J'ai envie de me pavaner en hélico dans la vraie vie. Dans la vraie vie, bien sûr.
Du coup, va falloir que j'aille passer mon permis pour l'autre connard de Capitaine Boyd, quoi. Ce trou de balle. Le malaise. Je sais pas, c'est depuis les accidents, je deviens fou, je crois. C'est où déjà les histoires de permis? Merde, c'est quoi déjà? Auto-école. Bah alors? Ah voilà. Merci bien. La vue est somptueuse. Vivement que le docteur Cox revienne, que je puisse aller voir le psy, hein. Passer le permis là. L'approche, je veux être irréprochable auprès de l'autre connard. Mais attendez. Et où est-ce que je me mets moi? Oh merde. Ah ici. Hop là! Et on est bon! Oh là, je suis prêt pour le permis là! Incroyable! D'une propreté incroyable, mon bon petit Donat quoi! Mon petit Donat, t'es un bon toi! Comment on sort de Study? Par ici? Ah oui, bon voilà. Ça me rappelle ma folle jeunesse. Bonjour. Ok. Allez, on le fait pour de vrai. Excusez-moi pour ce matin, monsieur, mais je voudrais juste passer ma licence hélicoptère. Allez. Vous inquiétez pas, je gère de fou. Je gère de fou. Oh, pardon. Je suis parti sans vous, pardon. Pardon, monsieur le moniteur. J'ai beaucoup de respect pour la fonction de moniteur. Je vous applaudis tous les soirs à 20h. C'est juste à côté, cette histoire. Oh non. Je voulais pas descendre en rappel. Je déconnais. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est que ces dirigeables? Ah, c'est là-haut. Je le vois.
Pourquoi mon hélicoptère fait-il n'importe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je... Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non mais je roule dans... Je suis dans une tempête? C'est vraiment la pluie qui... Monsieur le moniteur! Je suis Donatien de Montaza, qu'est-ce que vous pouvez faire arrêter la tempête pendant que je passe mon permis, s'il vous plaît? Je suis censé être béni, moi! Je veux pas passer mon permis pendant qu'il y a une tempête, vous comprenez bien, bien sûr! Vous vous doutez bien? Oh là là! Mais au secours! Au secours, monsieur le moniteur! Help! Voilà! On est bon. Ah, je l'ai vu, je crois. Ah oui. Et on est à 1 sur 10. Nous sommes à 1 sur 10, monsieur le moniteur. Vous voulez pas faire une petite réduc? Tout à l'heure, j'en ai passé 4. C'était bien vu de ma part, non? Allez. Je veux ce permis, je veux pouvoir être dans mon hélicoptère en toute légalité. Je suis un homme de bien. Je suis Donatien de Montazac. Oui. Ok. Regardez-moi ça. Je me demande toujours comment vous faites voler ces hologrammes en plein air, hein, quand même. Hein. Quelle technologie utilisez-vous dans votre auto-école, monsieur, hein? Et d'ailleurs, c'est vous qui faites passer tous les permis, c'est étonnant. Vous devez être quelqu'un de très très fort, je pense. Oh, pardon. Excusez-moi, je ne voulais pas aller aussi vite, hein, bien sûr. Évidemment, je n'ai pas du tout hâte de terminer ce passionnant passage de permis d'hélicoptère. Évidemment, je prends mon temps, hein, bien sûr. Alors, où est-ce que c'est? Je ne le vois pas. Ah, je le vois. Ça vous dérange pas, monsieur, si je me mets un petit peu ma musique? Ça vous dérange pas, hein? Allez. Oui, c'est bien moi.
les yeux grands ouverts pour passer mes nuits dans tout l'univers. Je ne sais pas, mais je suis et dans mon sommeil. Le rythme, la danse, la transe, la performance pour un meilleur réveil. Hey! Putain! Espèce de sombre merde! Putain, mais... J'ai l'impression que le monde ne veut pas... Le monde ne veut pas que Donatien de Montazac soit dans la légalité. Malgré tout, il fait les efforts. Et ensuite, l'inspecteur Boyd va faire le cynique avec moi en mode... Putain. Et voilà, et super en plus de ça. Et génial! Génial! C'est super! C'est génial! C'est... J'adore! J'adore! C'est super! Putain! Pousse-toi! Ah, putain! Je suis énervé. Je suis désolé, c'est pas contre toi, mais je suis très énervé. Je suis très en colère. Moi, je rentre chez moi. Je croise Boyd, mais je lui tire une balle. Hein. Oh, j'ai été flashé dans mon camtar volé. Va falloir que je re-aille à la fourrière pour prendre... Oh, super! Oh, génial! Bah foutez-moi en tôle une bonne fois pour toutes. J'ai l'impression qu'il y a un acharnement quand même. Mais vous êtes sérieux? Je rentrerai chez moi. Allez monter, je vous mets l'amende et je vous fais monter là, putain. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai l'impression... Mais vous me suivez partout, capitaine. Mais rien à voir, on était sur une autre affaire. Ah bah oui, mais comme par hasard, la ville est trop petite, on est dans un village. Bon, écoutez, je comprends. Oh. Figurez-vous, vous savez la rue où vous êtes là? Oui. C'est la rue de quelqu'un d'un appartement qui vient de faire des supérettes et on l'attendait. Vous, qu'est-ce que vous faites? Bah vous prenez un camion, vous faites flasher avec un camion volé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah je fais mon boulot. Bien sûr, je ne peux pas vous en vouloir. J'ai énormément de respect pour le personnel policier, bien sûr. Et bah, ce que j'ai entendu, oui, bien sûr. Putain. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à la police? Je fais mon boulot. Attendez... Oh là là, mais c'est pas vrai, quoi. C'est qui ces gens sur le côté là qui roulent à contresens? Vous leur dites rien, quoi. C'est sûr. Dites-moi tout. J'ai attrapé un vandale, il avait volé un camion pour aller chez lui. Je l'ai attrapé, là je vais l'amender et je l'amène chez lui. Ok, très bien, capitaine. Moi je suis à la poursuite de véhicule qui a des codes 3 allumés. Ah bah, attrapez-le, hein.
Ah bah oui, ah bah c'est bon, j'arrive à côté. Ah bah je crois que c'est... Attendez. Et vraiment, cette ville est remplie de fous. Ah, je vous le fais pas dire, hein. Je vous le fais pas dire. Un vandale, par contre, hein. Je suis quand même Donatien de Montazac, hein, quand même. Vous avez dit vandale, mais bon. Je suis quand même un des... C'est pas le chemin, mais... Yes, ok. C'est pas le chemin. Ah, c'est... Ça peut être un chemin, hein. Tous les chemins mènent à Rome, hein, j'ai envie de vous dire, hein, bien sûr. Vous savez que va falloir que vous appreniez d'arrêter de suivre le GPS, hein. Parce que votre chemin, c'était des zigzags à tout bas, c'était pendant une heure. Là, au moins, écoutez, c'est plus une ligne droite. Ok, très bien, je ne suis plus le GPS, hein, au jeu. C'est vous qui me l'avez dit. Non mais il faut pas tout le temps. Il y a des moments où... Ah d'accord, oh là là. C'est pas le chemin le plus court... À l'instinct, quoi, à l'instinct. Non. Là, je connais la ville. Ah bah oui, c'est le chemin le plus court qui est le plus rapide, vous savez. Et vous savez, moi, je... La ville me connaît beaucoup maintenant, mais moi, je la connais si peu, finalement. Et moi, ça fait pas si longtemps que je suis là, finalement. Ça fait que quelques jours, et je sais que mon nom est maintenant dans toutes les bouches de la ville pour chanter mes louanges, mais moi, je la connais si peu, vous savez. Ah, vous savez, il y a un jeu, mais je pense que vous êtes vraiment nul là-dessus, sur Internet, Geoguser, là, vous savez. Ah, Internet et moi, vous savez, ça fait deux. Hein. Oui, mais je pense que vu comment je vous vois, vous devez être vraiment nul à chier là-dessus. Mais ce jeu, c'est un jeu qui est plutôt pas mal pour apprendre un peu la ville, vous voyez. Ah oui, je vois, ok. Eh bien écoutez, je tenterai comme ça. Si c'est un jeu, en plus, on apprend en s'amusant. Exactement, ouais. C'est certainement pas... je suis sûr que c'est un jeu qui est très amusant et très peu emmerdant, donc ça tombe bien. Non, c'est complètement emmerdant. Il n'y a pas de musique, c'est vraiment lent, enfin... Ah oui, mais c'est bien, ça m'en a tout l'air, effectivement, ça a l'air chiant comme la mort. Ouais, ceux qui jouent à ce jeu, c'est vraiment des pauvres cons. Bah, et vous me proposez d'y jouer? Comment vous me considérez, monsieur? Alors, c'est là-bas, à 2,35 km, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Ouais. C'est bien parce que vous êtes... j'ai beaucoup de respect pour la police, hein, je vous applaudis tous les soirs à 20h. Hein. Ouais, j'ai remarqué ça, vous m'appelez souvent, ouais. Ah bah oui, attendez... Ça en est où donc alors, vous avez recruté d'autres personnes pour essayer de vous faire gagner un peu d'argent? Bah, tous les gens que je recrute ne sont que des incapables. Bah, arrêtez de recruter les incapables. Je suis vraiment un de ceux qui donne le plus sa chance au rebut de la société. On a Roy Marx qui fait un album de rap bidesque. On a les croûtes, pas la peine de vous les présenter. Oui. Bon, écoutez, oui. Oula, monsieur l'agent, ça va? Monsieur le capitaine, ça va? Tout va bien, monsieur le capitaine? Ouais, waouh, ça fait mal, vous allez bien, vous? Oui, ça va, j'ai l'habitude, vous savez. Oh, oui, donc oui, dites-moi. Bah voilà, je vous ai tout expliqué, voilà les gens que j'ai engagés, et c'est terrible, quoi. Ok. C'est vraiment... vous avez vraiment pas de chance, hein. Ah non, vraiment, hein, c'est terrible. Et vous mettez quand même la main sur la patte, parce que... Bah, moi, bien je sûr, vois, je ne fais que ça. Je ne fais que ça, vu que personne ne m'aide, à part Fabien, bien sûr, hein, Fabien, évidemment. C'est vraiment... c'est ma moitié, quoi, bien sûr, on peut le dire. Ouais, je comprends mieux. Bon, bah, je vais pouvoir vous amender, hein. Oui, effectivement, j'ai vu que votre conduite était irréprochable de votre côté, c'est tout à fait, effectivement... Vous pouvez le faire, hein, bien sûr. Bien sûr. Bon. On se parle, Amanda. Ouais. Oui, tout va bien. Voilà. Oula, c'est très très cher, monsieur. Ah, mais vous savez, hein, c'est... maintenant vous saurez. Hein. Ah, c'est très très cher. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un acharnement vers ma personne. Mais ça me désole, je vous le dis, ça me désole de... Je vous apprécie énormément. Bah, je sais pas. Mais qui est cette personne en voiture là-bas? Je ne sais pas du tout, mais attendez, monsieur. Oui? J'attends aussi que vous me payez la course aussi. Attendez, pardon? Je vous ai pas demandé de me raccompagner, monsieur. Hein. Je serais allé à pied, hein. Je pensais que c'était obligatoire. Hein. Oui, non, mais j'attends que vous me payiez. Bah, écoutez, je vais pas le faire, monsieur Boyd, capitaine. J'ai payé l'amende à la municipalité, j'ai fait mon dû à la ville. Voilà quoi. Non mais attendez, savez-vous comment remercier un service? C'est du racket ce que vous êtes en train de faire, Capitaine Boyd. Non. Savez-vous comment faire un don à quelqu'un qui vous fait un service? Comment ça? Oui, je sais faire un don, bien sûr, mais... On vous a pas élevé, vous?
Bien sûr que si, mais sauf que le service, je l'ai pas demandé. Vous êtes vraiment le... vous faites vraiment l'attitude du gars qui vient nettoyer votre fenêtre pendant que vous êtes à un feu rouge et qui vous demande de l'argent ensuite pour avoir nettoyé la fenêtre. Non, alors que vous avez rien demandé, quoi. Je vous demande pas de l'argent, là. Vous voulez quoi? Vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un café? Je peux vous donner un café, si vous voulez. Non, toujours pas. Vous voulez que je vous suce? Non plus. Alors, ça me démangerait pas du tout, mais non plus. Oui, bah moi, ça me dérangerait un petit peu. Bah, je ne sais pas, écoutez. Qu'est-ce que ça vous voulez? Ça finit par un M. Ça se finit par un I. Un M et un I. Ça commence par un M et ça termine par un I. Je ne sais pas, moi, un martini? Non, non. Ça commence par un M, le deuxième lettre, c'est un E. Ah! Merci beaucoup, monsieur l'agent. Pas de soucis, monsieur. Bon courage, hein? Oui, bonne soirée. Hein. Bonne soirée à vous. C'est ça. Saloperie. Saloperie. Dire que j'ai dépensé 800 balles. Je viens de dépenser 800 balles pour tenter de passer mon permis d'hélicoptère pour lui faire plaisir. Je l'ai raté. Du coup, je suis reparti, mon hélicoptère a disparu, il est parti à la fourrière. Je prends un camion. Le mec est là. Et ensuite, il me fait une amende de 4500 et il m'humilie. Je suis Donatien de Montazac et ça ne va pas se passer comme ça, mais on verra tout ça avec Fabien. Alors, je vais faire un petit dodo. Je vais faire un petit dodo.